Hello tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Donc, on est sorti du temple et on va du coup aller vers la tour. J'arrive même pas à savoir ce que c'était. Moi non plus. Mais au moins, on a une piste. Pragmatique, ça me plaît. Pourquoi ne pas retourner voir cette carte? Sauf si tu sais où se trouve cette tour. Oui, pourquoi pas. Tout ça, c'est de la folie. Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allé au couvent. Ma mère est issue d'une famille riche. Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier. Alors ils m'ont envoyé dans un couvent, pour me nettoyer de ses péchés. Ça n'a pas tellement marché, apparemment. Mieux vaut être dans le péché et libre. Alors je me suis enfuie, j'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention. Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires. Hé, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non? Elle a raison. On est avec toi. Ok, donc là on va devoir retourner vers les inscriptions au sol. Allons jeter un nouveau coup d'œil à cette carte. Descends prudemment. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'il y a une tour par ici ou... Non, mais... ce symbole pourrait être notre chapelle. La capella où ils l'ont emmenée. Tu as raison. On dirait qu'elle brûle. C'est un dessin. Donc, sachant que le sanctuaire est là... je pense que c'est sur le chemin du grand arbre décoré, sûrement après les moulins. Alors on est sur la bonne voie. Allons-y. Hé, Hugo, en chemin on pourra voir où ils en sont de la fête. D'accord. On verra peut-être des feux de joie ou d'autres activités sans danger. On pourra toujours jeter un œil. Ok, donc il faut qu'on se rende vers le grand arbre derrière les moulins. Non, on va prendre plutôt par là. Et on va pas prendre du tout par là parce que c'est pas par là. Monte. Allez, monte. Oui. Alors les moulins sont là. Attention en descendant. Tout de suite. Les moulins sont là.
C'est tellement vaste. Est-ce que ce serait là-bas? Est-ce qu'on est d'accord que je vois pas de grand arbre? Je crois qu'il y a un grand arbre là-bas. On va vérifier. C'est notre tour là-bas, non? Eh bien, une partie au moins. Tout est si vieux. Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici? Il y a forcément quelque chose. Le passé ne meurt jamais, Hugo. Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler. On y est presque. Hugo, on trouvera quelque chose dans cette chapelle. Notre chevalier prendrait-il cette tour pour moi? Quoi? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui. Ne t'éloigne pas trop. Oui. Merci. C'est un peu dur pour lui. Je voulais te demander. T'es sûre de toi pour pardon. Tout ça? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute, on se connaît pas bien, mais... vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sophia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Très bien. Alors, on va ramasser les collectibles. Oh, je peux rien faire. Ok, 10 max, c'est déjà pas mal. Ok, là y a rien d'autre. On va essayer, comme d'habitude, de trouver la plume, les souvenirs et pourquoi pas un coffre. Sachant que dans le dernier chapitre, on en avait deux, le coffre. Il me semble qu'il n'y a rien là. Ah, j'avais pas vu le coffre là. Oh non, bon. Et ben quand je sortirai. Si je sors par là, évidemment. Sois gentille avec les personnes âgées. T'es pas si vieille que ça. Alors, cette tour est déjà à toi? Non, la porte est fermée. Verrouillée de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un œil alentour? Ah. Là. On va vraiment la conquérir, en fait. Je ne te l'ai pas dit, mais Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner sur ça? Mais tu peux être ma... contrebandière. Un contrat royal. Quel honneur. N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir. Ah, t'as raison. Le fort et sa chapelle. Ah, je peux pas viser depuis là. Intéressant. Ah bon. Donc là, il n'y a rien. Monte en premier. D'accord. Allez, suis-moi. Oh là là. Hop, hop. Allez, hop, hop. J'ai l'impression d'être Tomb Raider. Là, je pourrais éventuellement descendre, mais c'est pas le but.
Ah, voilà, je pourrais viser depuis là. Voilà. Du coup, on va pouvoir descendre. On va devoir sauter. Oui. Allez, Soso, viens. Et là, il n'y a rien. Non, oh non, là, non. Et là, non. Je crois qu'on y est. Vous êtes prêts? Bah, pas vraiment le choix, hein. Continuons. Le voilà. J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire. En tout cas, c'est déjà beaucoup moins attirant. Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre. Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui. En route. Ouais, en route comment ? Ah bah en route comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Une tempête approche. Comment tu le sais ? Je le sais. Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? Le jour où je suis devenue adulte. Hé, c'est une jolie fleur. Tu la veux ? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. On pourrait rester là. C'est chouette ici. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Et puis, une tempête approche. Ok. Moi, Hugo, donc c'est pas la fleur. Tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non. Je préfère les plumes maintenant. Ah, on passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses par ici et par là ? On va avoir un problème. Comment on va traverser ? Jetons un œil en bas. Ah ouais, puis là je peux pas monter. Bouffé par les vers. Ne t'approche pas trop. Ce pont a l'air d'être prêt à s'effondrer. Voyons si on peut l'aider. Alors attends. Une corde et un grappin sur ce poteau. Peut-être avec mon arbalète. Oui, ça va marcher. Avec un peu de chance.
Eh ben, ça a marché. Regardez ça, un vrai pont d'or. Il tiendra? Évite de sauter dessus. Y a rien par ici. Allez, monte. Là non plus. Là non plus. Waouh, regardez cette vue. Magnifique. La mer te manque déjà? Pas encore, mais ça reviendra. C'est vrai que c'est beau, mais hein. Tu vas pas partir maintenant, hein? Non, pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. Quoi? Elle t'a pas raconté? Elle m'a sauvé la vie. Oh, bon. Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Alors, attends, elle va par là-bas. Je vais juste voir s'il y a des choses par là. Ce bateau a l'air très très vieux. Oui. Qui sait ce qu'il pourrait bien nous raconter? Qu'est-ce qui arrive aux gens quand leur bateau se casse comme ça? Certains survivent, d'autres sont emportés par la mer et dorment pour toujours, bercés par les vagues. C'est joliment dit. Et après, ils nourrissent les crabes. Ah, merci, Sophia. De rien. Pourtant, une réalité. Ok. Pas de souvenirs et pas de plumes. Pardon, Sophia. Non. Alors, let's go. C'est grand. Ça... ça fait peur. Ce bâtiment sur la gauche, on dirait notre chapelle, non? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte. Bon, trouver le fort, bah du coup on l'a trouvé. Amicia, il y a du sang. Oh non. Enchaîné. On doit s'en aller. Non, on doit atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, allons-y. Ah ouais, chaud patate. Chaud patate, ok. Viens douce par là. Oui. J'adore le petit Hugo qui vient me donner un coup de main pour m'aider à monter. C'est trop chaud. Je regarde encore. Et là, on est d'accord, il n'y a rien. Alright. J'ai eu celle-là. Les autres se sont enfuis. Merde! Montez la garde au cas où ils reviennent libérer le reste. Je vais ramener celle-là. Compris? Les autres. Lâche-moi! Ne t'inquiète pas. Bientôt. J'ai besoin de silence. Tuez tous les intrus. Bon sang. Qui sont ces gens? Je dirais des esclavagistes à vue de nez. Des esclavagistes? Ils capturent des gens.
Allez! J'ai transformé le gars en steak. Waouh. D'ailleurs, par rapport à ça, on va regarder les compétences. Alors, je suis pas loin d'avoir prudence. J'espère que je l'aurai, là. Je suis pas assez agressive et je suis pas assez opportuniste. Ok. Je vais bien, mais ils sont prêts à tuer. Pas de temps à perdre. Bon sang. Ah, j'espère que Milo a raison. On ne peut pas se permettre de perdre plus d'hommes. Ça en vaut la peine. On lui a fait confiance jusqu'ici. Oula, il y en a un là. Notre but, c'est d'aller là-bas, on est d'accord. Juste voir s'il y a des choses à fouiller par là. L'homme, il a emmené la dame. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Essaie de pas y penser. On peut pas l'aider. On verra. On sait même pas ce qui se passe. Loulouloulouloulou, il est très très proche de moi. Ah, on me repère, on me repère, on me repère. On me repère. Voilà. Là, il y a un trou, donc de toute façon, on peut pas y aller. Je vais par là, hein, on verra bien. Ouh! Mais est-ce que du coup c'est par là? Ah mince, je vais pas tirer la bonne personne. On a de la compagnie. Aidez-moi.
Je sais pas ce qu'il y a en bas. Leur chef. Ah oui, Milo. Je connais ce nom. Il arpente les côtes de la Méditerranée. Un vrai boucher. Oh, parfait. Regardez, une autre chapelle. Non, c'est une espèce de temple. Il va falloir le traverser. On doit trouver un chemin vers le fort. Le plan de Milo me colle la frousse. On se mêle de choses qu'on peut pas contrôler. Je sais, mais si ça nous permet de renverser le compte, je suis prêt à en payer le prix. Le comte sait pas qu'ils veulent lui faire du mal. Il sait comment fonctionnent ces gens. Si on devient riche... En voilà d'autres. Alors, notre but c'est d'aller dans le temple là-bas, je crois. C'est eux qui font tout ça. On me voit ? On oublie ça. Je sais que vous c'est qui me voit ? Je vous trouverai. Ah. Alors. Alors, il faudrait que je tue le... l'archer. Ah, il me voit. Passer autrement. Ils vont me voir. Mais pourquoi les soldats n'arrêtent pas les esclavagistes ? Non. Pourquoi ? C'est horrible. Tout peut arriver quand il y a de l'argent en jeu. Mais pourquoi il y a des esclavagistes ? Pourquoi ici ? Il y en a partout. Comme les traîtres et les assassins. Tu sais que les gens comme ça existent, du coup. Oui. Oh non ! À moins que je grimpe depuis là. Ah ouais, si. Allez, va-t'en, toi. Là. On grimpe. Oui, j'y vais. C'est quoi ? Facile, par ici. Ne laissez pas s'échapper. Ils nous ont vus. Bon bah, niveau prudence, je repasserai, je crois. Il y a une autre corde ici. Bien vu, c'est notre moyen d'entrer. Niveau prudence, on repassera. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, est-ce que... Prudemment. D'accord.
toute façon, je me suis fait voir, donc la prudence, là, à l'heure actuelle. Il ne reste plus qu'une flèche. Oui, pour travail. On est en sécurité. Ah. Je crois, pour l'instant. Pour l'instant. Je sais. Donc là, j'ai obtenu le succès. Enfin, j'ai augmenté l'opportunisme. Très peu de la prudence. Ok. Le but, c'est quand même que j'améliore à fond la prudence. Parce que vous ne serez pas sans savoir, si jamais vous ne le saviez pas, cette porte il faudra compter depuis longtemps. Deux. Eh ben, on va devoir la débloquer. Donc, il faudra compter deux parties. Voyons ce que ça fait. Elle soulève un lustre. Et pas un petit. Il a l'air sacrément lourd. Cette chaîne a l'air de tenir bon. Espérons que personne n'a entendu. J'ai besoin de toi, Sophia. C'est comme si c'était fait. J'avais une cordelette dessous. Ça bougera pas. Ouais, va falloir pousser très fort. Ouais. Est-ce que j'ai un poteau dans le coin ? Pas de poteau dans le coin. Donc c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Leur pousser très fort. Est-ce que il y aurait un... Fais vite, s'il te plaît. Compris. Ah ouais. Monte. À l'extérieur. Bon, on a une corde ici. Ce lustre a l'air assez lourd pour enfoncer la porte. Il faudrait juste trouver un moyen de le soulever. Je gère, t'en fais pas. Effectivement, on doit partir. Bien d'accord. Le fort est juste devant. Alright. Pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve? Les rêves montrent rarement toute la vérité. Mais il m'a menti. Pour m'amener ici, on était censé être guéris. Ce que les rêves ne donnent pas, il faut le prendre soi-même, Hugo. C'est fatigant, mais c'est la vie. Je vérifie juste, hein. Essayons par là. Oh. C'était tellement beau ici. Ça peut toujours. Je sais pas. Est-ce que je me vois longer par là? Ah! Qui c'est ça? Une plume! Laisse-la. Pourquoi? Elle est belle. C'est une plume de corbeau. C'est un oiseau qui fait peur. C'est un oiseau rusé. Il fait croire qu'il porte malheur. Oui, pour que les gens le laissent tranquille. Oh. Ils ne font pas plus peur que les gens. Tu devrais me voir au réveil. Je suis terrifiante. Oula. Ok, donc totalement par hasard, la petite plume. Allez, monte. Tout de suite. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Alors, il y a quelque chose par là. Un établi planté en, au plein milieu de nulle part. Mettons-nous au travail. Est-ce que je peux augmenter quelque chose, s'il vous plaît? La fronde. Oh, ça, c'est bien. C'est
C'est bien mieux. Ça, c'est bien. Ça, on va pouvoir récupérer les carreaux quand on a des cadavres. Avec lesquels... Enfin, des carreaux sur... Bref, vous m'avez compris. On va pouvoir récupérer, quoi. Ça, c'est un bon truc. Alors, la suite. Par là. Oh là là. T'en fais pas. Ce sera bientôt fini. Marre de ces conneries. T'as un problème, Diaz ? Non. Ces bestioles sortent du sol pour nous bouffer. Nos esclaves se sauvent. Et maintenant, tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse. Faux. On travaille plus pour elle désormais. Tout est dans les fresques. Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et tu as vu comme ils ont les crocs. Alors c'est très simple. On les nourrit, on aide l'enfant et on pourra régner à ses côtés. Et ah alors bon le comte se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Alors dis-moi, combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle ? T'as jamais vraiment eu la foi. Mais je te prierai d'arriver oh. Oh là là. Ah, c'est violent. Bien. Commençons. Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Foutu fanatique. On ne peut pas les laisser comme ça. Je vais les aider. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je voulais juste les sauver. Hugo, tu ne peux pas tuer les gens comme ça, ou quoi ? Tu le fais tout le temps, toi. Parce que... je les tue plus vite que toi. Je t'interdis d'attaquer les gens tout seul. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. C'est compris ? Je m'en fiche. De toute façon, ils sont déjà tous morts. Hugo ! Oh, bordel. Écoute! Oh. Ouais. Je vais juste vérifier qu'il n'y a rien à prendre. J'en profite. Apparemment pas. Ok! Bon bah, go alors. Hugo! C'était quoi ça? C'est de la folie! Tu ne m'as jamais dit. Dis quoi? Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens. Tu serais parti en courant. Et moi, je voulais pas. C'était mal, oui. Mais je pensais que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va parler à ton frère. Ouais, attends, j'explore juste les alentours avant. Ah, y a quelque chose par là. Fragment. J'ai besoin de temps. Oui, je comprends. Ah bah, je te rassure, moi aussi. J'ai envie de te dire... Hugo, je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Tuer des gens, même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition, comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir, c'est vrai. Mais tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça, c'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment te guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sophia.
Sophia. Je suis désolée. Et moi aussi. Oui. Eh bien, restons pas là. Je suis pas sûre qu'elle va devenir notre meilleure amie, elle, hein. Ça va ? J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Attends. Ce sera pour ouvrir ça. Attends, on va juste regarder aux alentours avant. Oh, Seigneur ! Non ! C'est Milo. Il a dit que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. Ouais, alors attends, on va déjà s'occuper de ça. Comment je peux aller derrière moi ? Je peux pas aller. Attends. Pousse-toi, Sophia, s'il te plaît. Pousse-toi, Sophia, s'il te plaît. J'aimerais pouvoir tirer ça, là. J'arrive pas. Ah, par là. Qu'y a-t-il là-bas ? Oui. Je sais pas, on va regarder. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Moi aussi. Je sais pas encore quoi. On monte. Oui. Moi, ça brille, ça m'intrigue. Alors... Là, on peut pas y aller. Ah ! Seigneur, ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves. C'est souvent ce qu'ils font. Regarde ! Oh, c'est... Une poupée de chiffon. Il y avait un enfant ici. Charmant. Un enfant esclave ? C'est possible ? Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Ils lui ont pris sa poupée. Tu devrais la remettre où elle était. Il a même pas pu l'emporter avec lui. Mais il s'est peut-être échappé. C'est ça le plus important. C'est vrai. Allez, viens, Hugo, allons-nous-en. Ok. Souvenir un peu glauque, hein. Un peu glauque. Donc potentiellement, il nous resterait un coffre et un souvenir. Puisque nous avons déjà la plume. Là, y a rien. Fouiller un petit peu avant. Quelle folie. Restons concentrés sur Aelia et cette chapelle. La pauvre fille n'aura pas eu un destin très radieux. C'est sûr. Alors, je regarde juste les allées venues de celui-là. Ok, il bouge. C'est une vraie armée. Tu sais ce qui nous attend dans le fort. Pas vrai ? Oui.
De la rigolade, de la rigolade. Non, il rentre pas dans le bâtiment. J'attends qu'il s'en aille. Je vais récupérer la petite flèche. Oh ouais. Ah, un couteau. Oh, rien. Non, non, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Qu'est-ce qu'ils font dans cette chapelle? Des choses horribles. On doit vraiment y aller. Et voilà, on est coincés dehors. Ces murailles sont anciennes. Il doit y avoir une brèche. Mais on devrait pas y aller. Bien d'accord. Il le faut. Ces atrocités ont forcément un sens. Il y a quelque chose là-bas. Non, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Y a rien du tout. Laisse-moi tranquille. Ah.
On prenne d'eau. Ah, ça brille par là. Est-ce que je peux la battre, ce truc là? Non, bête d'utiliser une flèche. Faut que je trouve un passage. Y'a rien. Ah, là il y a un truc. Essayons par là. Très bien. La danse, la musique, les fleurs. Non, on avance. Hey, Hugo. Quoi? Je sais que c'est dur, mais tu dois rester avec nous. Oui. Et voilà, capacité de prudence. Il l'est probablement. Posture du lanceur. Mais on est toujours ensemble. C'est vrai. Ouais. Je pense qu'il sera tout à fait possible d'obtenir la compétence prudence dans ce game. Par contre, deux, je suis pas certaine. Je vais essayer, allez, mais c'est pas sûr. D'accord. Vérifie que plus personne ne respire dans la charrette. Ils sont juste là. Ils ont l'air bien morts, si tu veux mon avis. Va. Voilà. Ah oui, pourquoi pas. Oh non. Oula. Ah, je peux pas tirer mon arc. Ah, je peux pas. Ouh. Oh là 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 là. Oh, c'est dégueulasse. Espèce d'enfoiré. Hugo, c'est fini. Je savais pas quoi faire. Ça va aller. Tu as bien fait de nous laisser faire. On doit y aller maintenant. Viens. Comment tu te sens, Sophia? Je m'étais promis de plus jamais faire ça. Je suis vraiment désolée, mais merci de l'avoir fait. Ouais. Bon, essaie juste de pas te faire tuer. Promis. Continuons. Bah si, hein. Tu m'en demandes trop, mais on va essayer. Alors, t'as tout vérifié? Presque. Oh! T'avais raison, il y en avait encore un en vie. On se dépêche, je veux pas finir comme Diaz. Pourquoi la S s'est pas encore levée? Hé! Hey, ouvre-nous, bordel! J'y vais. Cachez-vous vite dans la charrette. Et toi alors? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? C'est pas croyable. Je vais lui botter le cul. Ah! Eh ben c'est pas trop tôt. Oula! Oh mon Dieu.
chapelle! Je vais fermer la ligne de sang! Ah! C'est moi qui les ai fait venir! Ce n'est pas ça qui importe, Hugo! Ne panique pas, réfléchis! Oh là là, regarde là autour! Là. Ouais, je vais allumer le feu là-bas, quoi. Et maintenant? Hé, ici! Sophia! Oh, tu es là! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est coincés, Sophia! Raz de marée! Un raz de rat! Ici, pas vraiment. Peut-être, mais ça va être... Oh, peu importe. Maintenant, soit ça marche, soit je suis morte. Oh, quoi? J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Cette chose est incroyable. Ouh, ouais. Trop bien. C'est ce que j'ai de plus précieux. J'étais pas sûre que ça concentrerait assez la lumière de ce feu. Descendez maintenant. Oui. Merci d'être revenue. Oui, merci. Je vous avais donné ma parole. Écoutez, je peux nous couvrir tous les trois, mais il va me falloir encore du feu pour traverser cet enfer. Je m'en charge. Oh bon. Un coffre. Je te laisse, Vera. Dis-moi vers quel feu tu veux te diriger maintenant, et quand tu le chasses. Oui. Tu peux compter. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec un moi. Un coffre là-bas. Alors, la chapelle est de l'autre côté de cette tranchée, c'est ça? C'est ça. Et on doit la franchir. Allez. Cassez-vous. Attends, cassez-vous. Ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Donc voilà, le couteau se récupère au chapitre 6, section 5, dans l'un des bâtiments effectivement qui longe le chemin, un des bâtiments à droite, si vous n'en avez pas de supplémentaire, comme moi. Coffre secret numéro je sais plus combien, 8. Le 8. Ça, on a même deux carreaux. J'aimerais bien pouvoir augmenter ma fronde quand même. Oh là là, je suis encore trop loin, il m'en manque 30. Tant pis. Donc, dans les compétences également, je suis pas loin de faire la prudence. Ok, agressivité, je suis vraiment pas quelqu'un d'agressive. Hein. Ça se ressent dans mon gameplay. Vraiment. C'est assez en adéquation avec moi-même. Cocotte. Ah mince. Pourquoi je peux pas? Attends. Ouvrons un passage. Restez près de moi. Ah voilà. Poussez-vous, poussez. Qu'est-ce que c'est ça? Un autre. Oup, oup, oup. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. C'est parfait. Je voulais pas plus. On va faire le plein. Ouais, alors après là je suis coincée. Il y a un feu là-bas. Mais là on peut pas y aller. Ok, il faut que je revienne en arrière. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez avec moi. On va essayer d'aller par là. Perfecto. On va se faire bouffer par les rages, attends, je sens bien. Ne va pas trop loin, il commence à faire trop sombre. Ok. Il y a un feu là. Mon prisme reçoit peu de lumière ici. Attention,
Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. C'est bien, on progresse. Comment vous pouvez être aussi calme? On a déjà fait ça plein de fois. Évidemment, question stupide. Ah non! Reste avec moi! Ouais! Donc, bah faites pas comme moi en fait. Je pense qu'il faut l'allumer depuis le chariot, celui-là, parce que je vois pas. Ou alors l'allumer depuis le... Ah si! Depuis la tour là-bas. Ouais, alors j'ai merdouillé. Gravement. Gravement merdouillé. Ok. Donc, une fois que vous récupérez le coffre, vous allumez... Vous revenez à la lumière centrale, vous allumez le petit torchon. Enfin, la petite torche, plutôt. Une fois la petite torche allumée, vous allumez celui-là. C'est mieux que ce que j'ai fait. C'est sûr. Alors... Petits opportunistes. Ouais. On va se manier le fion, hein. Fichura! Tout ça c'était vrai! Je pensais que c'était une plaisanterie du fou furieux! Je rigole beaucoup moins maintenant! Je suis obligée de l'attaquer lui parce que sinon il va me. On va essayer d'ouvrir un coffre ou deux. Oh là là. Oh là là. Ouh. Non, je m'aventure pas là-dedans. Sombre.
Mon prisme reçoit peu de lumière ici. Attention! Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez avec moi. Bien, tu peux lâcher. J'y vais. C'est bon. Bon, maintenant, faut que je réfléchisse à une tactique, là, avant que ça me... Que ce jeu me rende malade. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que je crée peut-être une bombe... J'ai plus de peau en plus. J'ai plus de peau. Ah, c'était pas ça. Oh non. Allez, on court. Oh, c'est bon, je ferai pas deux fois. Ok, si un petit bâton, c'est qu'il va falloir prendre un petit bâton. Où se toit ? C'est une blague, il y en a même là. J'ai dû rêver. Je suis en train de faire le tour pour rien en fait. J'arrive pas à croire que vous ayez déjà vécu tout ça. Ouais. Pire ici. C'est toujours pire. On va s'en... Chut, silence. Le but c'est que j'aille où en fait? Je sais pas trop où il faut aller. Le saut là? Attends, le but c'est pas que j'aille dans la herbe, celle-là? C'est pas là-bas que je dois aller. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Mon carreau quand même. Mais c'est quoi ces souris? Je suis dans la lumière là.
Purée, t'es gentil, faut que je lève comment? Ah voilà. Ah ouais, on est passé à travers les grillages. D'accord. Pourquoi pas? Je le savais. Les barbares. Sacrifiés. Comme des animaux. Pourquoi? Ils pensent que le sang poussera l'enfant à les aimer. Ils les tueraient pour ça. Regardez sur la porte, le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle et partons. Attends, d'abord on va faire du collectif. Est-ce qu'on peut courir? Ça m'arrangerait. Alors apparemment pas. Attention, okay. En descendant. Là non plus. Est-ce que tu peux te pousser? Je crois pas que je vais trouver de coffre. Bon, on va descendre. Il est possible d'avoir un autre couteau. Au cas où. Ça m'arrangerait grandement. Je crois pas. Est-ce qu'on peut encore s'échapper? On peut pas s'échapper non plus. Bon, ben, on n'a pas le choix, hein. On va rentrer dans la chapelle. C'est parti. Je crains le pire. What the... Oh, c'est... l'enfant. Ils sont tellement nombreux. Elles sont plutôt récentes. Qui a fait ça? Milo? Cette fresque... c'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi? Cette chapelle lui était dédiée? À toutes les protectrices. Aelia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était... sa fonction. Au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Waouh. Trouver la trace d'Aelia. Alors ça descend par là. Quelque chose à collecter. Bon bah let's go, on va descendre. Allons voir par là. Où est ce fichu Milo? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aelia. J'ai pas envie de le savoir, moi je vous le dis d'emblée. Une crypte? Il y a rien. Laisse-moi regarder. Oh non, non, moi je crains le pire. Je sens genre les portes vont se refermer et tout. Je prépare ma fronde. Mon arbalète au cas où. Genre une attaque surprise par derrière. Je le sens bien. Protéger un, protéger tous. Les
les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermée ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention, il y a peut-être une araignée là-dedans. Ah non, pas une araignée, s'il vous plaît. Pas les araignées. Encore ce symbole. Pourquoi ? Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. La carte. C'est là qu'ils l'ont enfermé. Attends. C'est si facile que ça? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice à une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Je crois pas que je vais pouvoir sortir aussi facilement. Ça nous dit toujours pas où est Milo. Eh bien, on dirait qu'il a quand même terminé son travail. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans ? Cet endroit est sacré. Toi. C'est toi ? Tu as entendu mon appel ? Mon offrande t'a plu ? Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi ? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Mais de fidèles. Arrêtez de décider à ma place. Oh ! Ça en fait du meurtre. Oh là 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 là. C'est la vie de la peinture. Non. C'est elle. Ne dis rien. Ils ont tué Milo, là-bas. Ça y est, ils arrivent. Cachez-vous. Mets Hugo à l'abri. On va sacrer Milo, bon sang. Dégage, vas-y. On a besoin de tout le monde. Vous ne nous arrêterez pas. Pas que tu vois une issue, Sophia. Non, pas encore. Vous avez tout gâché. Ah. Et en enfer pour ça. Vous faites une grave erreur. Reste calme. Reste concentré. Hugo.
oreilles, tu m'entends? Je peux tous les tuer! Les rats veulent que je les fasse! Alicia! Ça devient urgent! Oh! C'est trop dangereux, Alicia! Laisse-moi les affronter! Tu m'écoutes maintenant! Arrête tout de suite! Ne sais pas quoi faire! C'est parfait! Hugo, tu fais ce que tu sens! Cet endroit devait m'aider. Mais ça n'a rien fait. C'est pire qu'avant. Hugo, regarde-moi. Hugo, regarde-moi. Sophia. Pourquoi tu pleures? Parce que tu vas partir. À cause de moi. Calme-toi. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Me demandez pas pourquoi, mais je vous aime bien. Et je vous ai croisés au pire moment de votre vie, pas vrai? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant, il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires, voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Alors, tu vas rester? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place. Bon bah voilà, on termine le chapitre 10, on a obtenu une plume, un coffre et un souvenir. On est en train de petit à petit essayer de comprendre d'où vient cet ordre, ce qu'ils ont fait à l'ancien porteur, ce qui est devenu aussi cette ancienne protectrice.
Et probablement que dans les chapitres 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais bref, probablement que dans les prochains chapitres, du coup, on va pouvoir gentiment essayer de comprendre la chose. En tout cas, c'est vraiment un chapitre tourné vers l'action. Beaucoup d'action, hein, au final, dans ce jeu. Beaucoup aussi d'infiltration, et, etc. Et c'est vrai que c'est pas forcément pour tous les styles de jeu. Mais bon, l'histoire, elle est quand même intéressante. Donc, c'est pas plus mal. Allez, moi, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo et à me rejoindre sur Twitch. Je suis aussi sur Twitter si jamais vous voulez voir mes péripéties. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao !